Alors, un grand souvenir au TDB, sur Tépanay, c'est la 47e représentation. Fin du spectacle, il reste 10 minutes de spectacle. Je suis dans une boîte de nuit, j'ai 14 ans. Je suis en train de boire un verre avec mon frangin au bar de la boîte. Tout se passe bien, j'ai repéré une nana sublime qui est en train de danser sur le dance floor. Et donc, j'effectue un demi-tour droite pour aller la rejoindre. Et là, clac, le mollet qui lâche. Petit claquage au mollet, enfin gros claquage au mollet. Je serre les dents, je me dis, oh là là, putain, c'est foutu, fin du spectacle, dans 3 minutes, je dois refaire vivre le saut à la perche de Vladislav Kozakevich au JO de Moscou en 1980, donc monter sur une chaise, faire une culbute avant, retomber sur les épaules, et je n'ai plus de mollets, je n'ai plus rien. Et je pense aussi à Avignon, que je dois jouer dans 3 semaines, et qu'il va falloir annuler vraisemblablement, puisque j'ai plus de jambes. Et tout ça, voilà, bah, tu mets le pilotage automatique, tu te dis comment faire, tu te poses le cul sur une chaise et tu racontes toute la fin du spectacle en ayant très envie de pleurer, mais tu ravales tes larmes parce que c'est comme ça et tu penses à tout sauf au spectacle. Et tu vas jusqu'au bout, voilà. Et puis après, dans les loges, tu pleures un peu parce que tu te dis putain, c'est foutu, c'est fini. Voilà, donc c'était la dernière du TDB au début du mois de juin, voilà, 2016. Mais c'était quand même un énorme grand souvenir et vraiment un merci énorme à l'équipe et à Laurent qui ont cru à ce spectacle, qui lui ont permis d'avoir le fonds de soutien et qui ont fait que ce spectacle a pu renaître après tant d'années. Où il était resté dans les cartons. Donc vraiment, vraiment le TDB a été un moment extraordinaire dans ma vie d'acteur et je suis à jamais reconnaissant et très fier d'être dans le Hall of Fame des affiches qui ornent l'escalier qui monte jusqu'au plateau. Voilà, et vive les 10 ans du TDB et grosse bise et à très bientôt pour faire la fête. Ciao!